Un gros sujet, c'est ça dépend déjà de la variété. Ça peut être, ça dépend si tu pars sur du palmier par exemple, on peut avoir ça et déterminer que c'est un gros sujet. Après, ça dépend les tailles, les produits, les oliviers. Certains vont dire qu'un olivier de 40 ans, c'est un gros sujet. D'autres, un olivier de 200, c'est pas assez grand. Bon, c'est assez vaste. Ça sera un gros sujet et l'olivier qu'on verra après sera aussi un gros sujet. C'est une taille moyenne, on va dire. Ça, c'est un Trachycarpus fortunei. Donc ça s'appelle un palmier à chanvre. Les palmiers à chanvre, eux, résistent à moins 18, moins 21. Donc il faut aussi regarder par rapport au climat où on est si ça va tenir. Parce que c'est quand même un investissement, c'est généralement pas donné. Plus on monte dans les sujets, plus c'est cher. Alors au niveau du conteneur, donc il faut regarder parce que eux aiment bien avoir des conteneurs de taille modeste. Après, plus tu vas prendre sur du butia, ça c'est une autre espèce de palmier, plus le conteneur va devoir être gros. Ou du Phénix canariensis par exemple, ça demande des gros conteneurs. Donc ça dépend déjà du conteneur, ça c'est un choix. Ensuite, sur du palmier, comme dans ce cas présent, il peut avoir des feuilles qui sont déjà un petit peu brûlées par les anciennes neiges, des choses comme ça, donc ça c'est naturel. Mais il faut bien regarder la qualité du cœur, s'il est bien vert, pas pourri, etc., s'il est impeccable, si le vert est beau et bien tendre. Tant qu'il répond à ces critères-là, on peut choisir ce sujet-là, quoi. Mais pour choisir un gros sujet en général, il faut savoir où est-ce qu'on veut le planter. C'est le plus important, parce qu'il faut quand même savoir qu'un gros sujet, comme son nom l'indique, il va être très gros. Si on a un très petit jardin et qu'on veut placer un gros sujet, il faut penser que dans le futur, bah ça peut être gênant. Non seulement pour le risque qui tombe sur la maison, il faut l'évoquer, c'est pas impossible, mais aussi les feuilles qui vont aller dans les gouttières, des choses comme ça. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des espèces qu'il faut proscrire auprès des piscines, des vitres sanitaires et des maisons, ou de l'enrobée. Par exemple, le figuier, le pin. Le peuplier parfois, le peuplier lui c'est au niveau des feuilles qui risque de polluer entre guillemets un lac. Bon, c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention lorsqu'on choisit un gros sujet. Parce que les pins ça devient des très très gros sujets, avec les racines ça peut soulever de l'enrobée, c'est quand même terrible. C'est ce qui se voit souvent dans le sud, dans les parkings, où il y a eu des pins pignons qui ont été installés. Pour faire le choix d'un olivier, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention déjà s'il n'y a pas de champignon qui s'appelle la verticilliose au pied. Ça peut être néfaste. Ensuite, il faut regarder l'allure générale. Est-ce que toutes les branches sont bien vertes? Est-ce qu'il n'y a pas des branches qui sont sèches? Est-ce qu'il y a des départs, des niveaux de, par exemple, des sciures sur le tronc? Donc ça, c'est important parce que les sciures, ça peut révéler la présence d'un scolyte qui est meurtrier, entre guillemets, pour l'olivier. Et enfin, quand on veut choisir une belle plante, quelle que soit la belle plante, un gros sujet en général, quand on fait la transplantation, c'est bien beau d'avoir plein de feuilles. C'est beau esthétiquement, mais pour la plante, c'est pas bon, parce qu'elle ne va pas pouvoir suivre. Parce qu'en fait, s'il y a de l'évapotranspiration, plus que ce que peut pomper la plante, à ce moment-là, il va y avoir un déficit hydrique pour la plante qui ne va pas pouvoir reprendre. C'est pour ça que dans les règles de l'art, il ne faut pas hésiter sur un sujet comme ça à rabattre 80 à 90% des feuilles, même. C'est un peu terrible, mais c'est la meilleure façon de faire une bonne reprise. Il y a plutôt une saison. Si on est sur du palmier, c'est plutôt en été. C'est ce qui est justement le contraire par rapport aux autres plantes, c'est que le palmier se fait en été parce que c'est à ce moment-là qu'il fait son repos végétatif. Donc on attache le cœur pour éviter trop de transpiration, justement. On reprend le système de la transpiration, on le plante et c'est de cette façon-là, en arrosant bien, que ça marche. Ensuite, les conifères, on va préférer l'automne parce que l'automne, il va faire chaud. Donc encore un petit peu dans le sol. Donc à la plantation, pour les racines, ce sera meilleur. Et enfin, toutes les autres plantes. Qui sont des gros sujets, on va préférer les faire soit au printemps, soit à l'automne, donc les oliviers, les copalmes, toutes les plantes qui peuvent exister en gros sujets, les prunus, pissardies, des choses comme ça. Et on va préférer le faire au printemps ou à l'automne, même s'ils sont en conteneur, parce que c'est une meilleure saison pour pouvoir faire une bonne reprise racinaire et une bonne reprise du végétal. Alors globalement, pour choisir un gros sujet, la chose qu'il faut vraiment garder en mémoire, c'est savoir où est-ce qu'il va aller. Il faut assez d'espace pour un gros sujet. Et il ne faut pas perdre ça de vue, parce qu'après on est vite débordé, et si c'est pour l'abattre après, c'est dommage.